Ah mais l'auto c'est bien, mais l'auto gris c'est un peu moins bien. Mais comme le pompe à charge gris, hein. Ouais, allez, ça peut le faire en vrai là, ça serait vraiment cool. Allez, en plus il y a encore moyen que ça soit une game rush. Et voilà, il y a déjà un joueur de mort. Non, c'est juste il est pas rentré dans la game. Y a pas de petite victoire les gars, il y a que des victoires. Paul, tu carrément t'es. Graal 4 top 1 sur cette game. Ah oui, impressionnant aussi. Ouais, je suis allé lui parler. Bon, est-ce qu'il est contest à son spawn déjà? C'est important. Non, c'est pas le cas. Mieux. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde à l'agence. Ah, il a juste loupé son spawn là. Un peu dommage. Il perd un tout petit peu de temps, mais bon, vu qu'il est pas contest, c'est pas grave. C'est surtout quand il est contest que c'est important. Alors, est-ce que ça se slay? Alors, ouais. Ça a l'air de se tuer pas mal. Ah bah Orange justement qui est dans la game là, donc qui est aussi bien classé, qui était dans le top 100 tout à l'heure. Là qui a tué un joueur, donc il a peut-être justement des games en rab. Ouais, là ça a l'air de slay, hein, clairement. Mais encore une fois, il faut faire attention. Il n'y a pas un joueur justement qui profite de game rush pour le backstab ou un truc comme ça, et là justement c'est ce qu'il est en train de checker. Ouais, ça va, la zone n'est pas trop lente. Voilà, et justement je parlais justement des joueurs qui jouent agressif parce qu'ils ont veulent aller en late. En plus cette demande d'Amila qui est vraiment pas sympa. Allez ouais, du coup il va mettre son shield. Attention parce qu'il a un pot poteau gris. Donc là le joueur il va vouloir all-in, hein. Quoi qu'il arrive, tu sais que il va pas essayer de back ou un truc comme ça. Voilà, petite balle, ça c'est bien. Par contre tu sais que vu qu'il veut jouer agressif, c'est lui qui doit effectivement prendre l'initiative, comme ce qu'il vient de faire là. Il a voulu prendre Je sais pas si c'est passé ou pas là, la petite balle. Bon, ouais, faut pas bégayer sur l'edit. Parfait, ça se passe bien. Là. Ouais, 2x18 là. Bon, il a, par contre, il a du shield, hein, encore. Donc, il est pas break. Là, est-ce qu'il va faire la petite décale? Voilà, 68. Ça c'est bien, voilà, un kill récupéré. Et voilà, ça c'est bien. Et en plus, du coup, il lui a rapporté du stuff forcément. Et il va pouvoir finir sa rota, donc faire attention quand même, ça l'a mis peut-être un peu en retard sur sa rota. C'est peut-être là au niveau de... Bon, même si le fight a pas été trop long, donc ça va en vrai, mais c'est peut-être au niveau de des murailles là justement de autorité, où il sera peut-être un peu plus en retard. Et du coup il aura peut-être accès à soit moins de poissons, soit il y a des joueurs qui vont le backstab. C'est possible aussi. Ouais, non mais je pense qu'il a oublié de d'activer les demandes d'amis. Non mais Noted, c'est les femmes et les hommes qui peuvent être vulgaires, y'a pas de pour une femme. Ouais, en vrai c'est bien, ça lui fait 5 points supplémentaires. Et puis surtout, ça aurait quand même été très dommageable qu'il meure à ce moment là. Que du coup ça lui aurait fait qu'une game, on va dire, pour... faire les 50 points qui restent là. En deux games ça se fait quand même assez bien, dans une game c'est un peu plus compliqué. Ouais Arkasis, je suis d'accord avec toi.
Allez, il y a des petits endroits où pêcher là. Du coup, il a pas de canne à pêche pour l'instant. Ouais, il a repéré le joueur là. En plus, je pense que le joueur adverse ne sait pas qu'il lui l'a vu. Allez, ça c'est bon. Voilà, faut qu'il continue à lui mettre la pression. On recharge pendant que la close. What? Donc, moi je pensais que c'était celui-là. En plus il s'est enfermé. Alors attention, va falloir peut-être prendre. Ouais voilà, c'est ça. Peut-être falloir faire le tour hein, parce que c'est trop risqué de prendre la poubelle. Alors faut, ouais, faut checker dans quel box il est. Oui, allez, c'est ça. Let's go. En plus, alors, il a pas le grappin par contre, il avait juste la Thompson, le joueur adverse là. Donc là, c'est plutôt bien. Donc, il va pouvoir prendre le kit, il va pouvoir sûrement pêcher aussi sans trop problème. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle. La game qui est... pas trop stack mais quand même beaucoup plus que celle que de tout à l'heure là. Là à ce stade de la partie il était déjà plus qu'à genre 45 joueurs en vie. Ouais là et quand le mec il a sorti sa Thompson là qu'il a mis un gros laser, clairement ça faisait pas plaisir quoi. Ouais ouais il lui manque des poissons, bah il a pas pêché du coup mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi, parce que peut-être justement parce qu'il était un peu en retard sur la rota, du coup il a préféré pas pêcher. Même dans le bidon qui était en bas là-bas il avait pas de canne à pêche. Il y avait un harpon en plus, ouais, ok, bizarre qu'il ait pas pris. À place de la grosse robot peut-être. Il va pouvoir faire sa rota, surtout que la game est pas stack donc. C'est ça aussi qui l'a un peu sauvé finalement, c'est que vu que la game est pas stack, même si tu fais ta rota un peu en retard, il y a quand même moins de chances que tu te fasses. Hold, etc. Non, je pense pas qu'il en ait marre de la pêche. Hein. Il va pas en avoir marre de la pêche à genre une game de la qualif quoi.
Voilà, attention là, que ce soit pas un piège effectivement, c'est pour ça qu'il check. Là il y a des splash, il y a des poissons, il y a... The fuck. Genre en plus c'est bizarre, genre pourquoi il y aurait des poissons ici alors qu'il n'y a pas de coin de pêche et genre... Ouais bah après s'il n'y a qu'un poisson, oui peut-être le mec a pris autre chose. Ouais j'ai vu qu'il y a genre il y a une fille qui s'appelle... Enfin une fille, il y a quelqu'un qui s'appelle Lena Situation et qui est... qui est sur Fortnite Tracker et tout. Il y avait déjà perf d'ailleurs au FNCS, enfin perf pas qualifié en finale mais sur les sessions. T'es Falcon Lee, ok. Ok. Elle va être à 280 points la qualif à peu près. Donc voilà, s'il avait 300 points, il serait sûr d'être qualif. Ça peut être entre ouais, 270 et 290 points. Jamais. S'il va perf, il veut que Lena voit le truc. Soir. Un peu l'espoir quoi. Comme si elle avait que ça à faire. Ah, il y a des nouveaux resubs. Merci Ibostuna. Oh, t'as encore offert un abonnement à Bextuit. Merci encore à Ibostuna pour des 392 abonnements offerts. Et j'espère que ton pari va se bien se passer ce soir. Et merci. Non mais en vrai, ouais. Bon, va pas falloir qu'il se fasse un gros burger ou je sais pas quoi entre les deux repas là, parce que enfin, entre les deux. Enfin, s'il se qualifie, parce que... non, sa concentration va se. Va diminuer clairement. T'as mis quoi comme pari avec Boston? T'as mis juste pari gagnant? T'as mis. Ou t'as mis un truc spécial? C'est pas que je trouve ça useless ou le sou, mais en fait c'est pas une bonne habitude à prendre. Parce que bah déjà t'as plusieurs joueurs, donc ça veut dire si je suis en vocal avec un joueur, bah je favorise un joueur, j'ai pas trop envie. Et en plus dans les grosses compétitions genre World Cup et tout, et bah ils seront sur place les joueurs, donc enfin ils seront, je pourrais pas être en vocal avec eux, donc je trouve que c'est pas une bonne habitude à prendre. Même si effectivement à court terme il y a un intérêt, mais à long et moyen terme c'est pas terrible. Paris ou nul? Ah oui, ok.
Bon, toujours pas de points de classement là, allez! Nous on veut les petits points à partir du top 50 là. Oh, et encore Ibostuna qui offre 10 subs! Et merci encore, franchement incroyable. Et merci Solari, Paid Fortnite, merci pour le sub aussi, pour le Prime. Et c'est le Kevin. Ouais bah faut avoir deux écrans, m'excuse hein, faut suivre le PSG. Bah, il est éclaté là, ma gueule. Ah c'est pas ouf. Ouais mais merci encore pour les subs. Hein. Papa se fasse la DreamHack, putain mais... Putain je vais devoir m'entraîner et tout si c'est le cas. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de demande. Et merci Mexi pour le Prime. Merci Crusher pour le Prime aussi. Et merci Louis pour le sub offert. Merci à vous. Et le train de la hype qui est déjà niveau 3. Si, si, allez. Et pour ce late game là, justement pour soutenir ma gueule, allez, on rentre dans le train. Et 3934 à bord du bus, merci à vous. Non mais c'est 5000 subs de la DH les gars, c'est pas 4000. Non vous croyez quoi? Parce que Yoshi il a déjà joué tu vois, donc normal, enfin normal que ce soit 4000 subs, il fait la DH tu vois. Alors que moi, genre, j'ai jamais fait une game compétitive de ma vie. Ouais, ouais, je solo casse pas la finale, c'est Yoshi qui va solo casse la finale. Moi, je serai pas là. Ouais, j'ai déjà fait un peu d'arène, mais vite fait quoi. Et merci Vano pour le Prime. Ouais, on envoie de la force pour ma gueule, clairement. Allez, faut qu'il marque des points là. Là, justement, il a marqué son premier point de classement. Et encore très bien, il a pas mal de munitions et tout. Il a du shield. Il a. Bon, moyen de retard, malheureusement, il en a utilisé un matelas tout à l'heure. Non, on peut pas la casser à deux, désolé. Que je dois casse sur le stream officiel de la team. Voilà, il utilise le stuff pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui le récupère. Non bah je pense que le fish en fait c'est mieux effectivement pour pouvoir tanker un peu la zone. Ah oui du coup plutôt le fish que la grosse. Non bah du coup il a utilisé plutôt la splash. Ouais les fameux 40 viewers. Ouais. Oh sur le joueur là il l'a bloqué. Quoi? Il... Ah ouais ok. What? Bah voilà eux tu vois ils se sont fait un câlin tu vois. Eux ils se sont réconfortés avant de prendre le pad. C'est genre ils se sont fait une... Pareil quand je vais voir ma gueule t'as une petite tape dans le dos. Ouais bon courage gros. Ils se sont pas tirés dessus t'sais. Bon courage pour ta rota. C'est clair.
80 km/h, c'est ça. Allez, 245 points. Il va falloir encore un peu plus que ça, clairement. Oula, ouais, il n'arrive pas à monter sur son sable. Et il va faire quoi? Il va esquiver, il va essayer de prendre la hauteur. Non, je pense qu'il va juste utiliser pour pouvoir prendre un matelas relativement haut pour le faire en une seule rotation. Alors après, ça veut dire qu'on reste plus longtemps en l'air aussi. Faut quand même faire attention à ça, de pas se faire laser. Non mais... Ouais, arrête de spam. Non! Allez, faut que tu survives à ça, le poisson. Allez! Allez, bats-toi! Je fiche. Non! Putain! Genre, pourquoi tu vas jouer à la hauteur comme ça? Ah, je pense qu'il a vu que c'était ouvert et du coup il a décidé de all-in.